وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, celui qui se lave le jour du vendredi, comme le lavage rituel quand il est en état d'impureté majeure, puis qui va à la mosquée pour la première heure. Comme on vous a dit, ce ne sont pas les heures qu'on connaît ici, 60 minutes, ce sont des moments. Qui va au premier moment, c'est-à-dire au premier moment après Shuruq al-Shams, après que le soleil soit levé, c'est-à-dire en début de matinée. Celui qui vient en début de matinée, c'est comme s'il avait sacrifié un chameau. Celui qui vient au deuxième moment, c'est comme s'il avait sacrifié pour Allah une vache. Celui qui vient au troisième moment, c'est comme s'il avait sacrifié un bélier. Celui qui vient à la quatrième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un poulet. Et celui qui vient à la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné en sadaqa un œuf. Et quand l'imam sort et s'assoit sur le mimbar, les anges entrent aussi et participent au Jumu'ah pour écouter le rappel d'Allah. Pour écouter le rappel d'Allah, tabarak wa ta'ala.